capsule, comment bien installer les logisols eau. Alors, les logisols eau, il y a des règles de base, si vous voulez, qui fonctionnent bien. Il faut que vous fassiez votre trou de façon à ce que le contenant perforé soit au niveau du sol, le rebord au niveau de votre sol, pas du paillis, au niveau de votre sol, OK? De façon à ce que le couvercle grillagé puisse être déposé dessus et que la bordure appuie sur la terre autour et non pas juste sur le pot. Et en même temps, ça vous permet de rapprocher le paillis parce que le rebord, si on regarde comme faux là, le rebord qui retient le paillis est plus haut que le dessous. Alors ne le mettez pas à l'envers non plus le couvercle là. OK? Ça va dans ce sens-là. Le haut, c'est la partie la plus haute, de façon à retenir le paillis. C'est l'épaisseur de paillis, entre autres, qui est recommandé d'avoir dans les plates-bandes. Ça a été conçu exprès pour ça. Alors, voilà. Ça, c'est ce que ça vous donne comme installation. Un logisol eau installé de cette manière-là va rester là, va résister au vent, ne partira pas au vent, rien, pantoute. Il ne tombera pas de paillis dedans, il ne tombera pas de petits animaux. Quand vous allez marcher dans votre plate-bande, ça va être solide. Vous ne vous enfargerez pas dedans, ça ne se déplacera pas. Et si vous voulez aussi, vous pouvez très bien rajouter la petite pierre concassée dans le grillage de façon à rendre encore plus discret votre logisol eau. Et vous allez pouvoir arroser directement à travers les roches pour remplir votre logisol. Alors, vous remplissez et quand vous voyez que l'eau est rendue en surface, vous arrêtez, l'eau va pénétrer dans le sol pendant que vous allez arroser les autres et votre arrosage est terminé. Vous venez de donner de l'eau à toutes les plantes avoisinantes ici. C'est aussi simple que ça. Alors, capsule logisol eau pour les plantes en pleine terre ou les plantes en pot. Alors, logisol eau est conçu spécifiquement pour tout ce qui est en pleine terre. Toutes les plantes des jardins potagers, toutes les plantes dans les aménagements paysagers, arbustes, arbres, vivaces, mais pas pour les végétaux en pot. Alors, en pleine terre, voyez-vous, c'est parce que logisol eau apporte l'eau sous la terre grâce à ses trous. Qui sont dans le sol, et ça remet en marche la capillarité du sol, parce que les plantes en pleine terre s'abreuvent principalement par le sous-sol. C'est l'humidité du sous-sol qui remonte, comme une lampe à l'huile fait remonter l'huile après la mèche. Alors que, dans le cas d'un pot, vous n'avez pas cet avantage-là. Pourquoi? Parce que le pot, il y a un fond. L'humidité du sous-sol ne peut pas venir abreuver vos plantes. Alors, les plantes dans les pots n'ont pas la source principale qui approvisionne les végétaux en pleine terre. Le sol eau est conçu pour remettre en marche la capillarité pour que les plantes en pleine terre retrouvent leur autonomie, alors qu'en pot, ce n'est pas le cas. Donc, pas recommandable de mettre le sol eau en pot. Ça ne fera pas de tort à vos plantes si vous en mettez dans des gros pots, mais vous n'irez pas chercher tous les avantages d'un logisol eau. Il faut comprendre que le logisol eau, le volume qu'occupe le pot dans le sol, si vous le mettez dans un pot, c'est de la terre en moins pour pouvoir permettre à vos racines des plantes que vous avez dans le pot de progresser. Alors, c'est pourquoi il n'est pas recommandé pour dans les pots. Voilà. Donc, c'est logisol eau conçu spécifiquement pour tout ce qui est en pleine terre, pas pour les pots. Alors maintenant, la capsule aménagement dans une pente avec logisol eau. Alors, on a ici un terrain qui est incliné avec un aménagement qui est en pente. Et vous savez que pour arroser un aménagement en pente, lorsqu'on arrose en surface, on ne peut pas aller bien bien vite parce que ça ruisselle vers le bas, ça n'a donc pas le temps de pénétrer. L'arrosage n'est pas efficace. Avec logisol eau installé dans une pente, même s'il est incliné, aucun problème pour simplement remplir. Alors, on peut remplir ça quand c'est plein. Vous voyez, quand c'est rendu comme ça, c'est réglé. On passe à l'autre. On finit notre aménagement comme ça. Puis on s'en va s'asseoir sur le patio, à prendre notre apéro. Puis l'eau se diffuse directement sous la terre sans avoir fait de ruissellement à nulle part. Voilà ce que c'est le logisol eau. Aussi simple que ça. Aussi pratique que ça.
Alors, maintenant, voici la fertilisation simplifiée grâce à Logisol O. Vous pouvez fertiliser autant liquide que granulaire avec Logisol O. Alors, granulaire, vous savez, il y a des engrais à dissolution lente qui ressemblent à ça ici, là. Alors, engrais comme ça, c'est facile. Au printemps, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le tour de vos Logisol O, d'en mettre dans le grillage, tout simplement. Ça se ramasse dans le fond du pot. Et lorsque, à chaque fois que vous allez faire votre arrosage, un petit peu d'engrais va être donné à vos végétaux, directement au niveau des racines. Alors ça, c'est aussi simple que ça pour l'engrais granulaire. Certaines personnes veulent fertiliser avec l'engrais liquide, entre autres des poudres comme ça qu'on dissout dans l'eau, ou entre autres les engrais à base d'algues liquides ou de poissons, etc. Les engrais liquides qu'on dilue dans notre eau, dans l'arrosoir, et on applique à ce moment-là, lorsqu'on a besoin. On arrose avec l'engrais liquide directement dans le contenant, directement dans le Logisol eau, et l'eau s'en va directement aux racines de vos plantes. Sans gaspillage, sans en perdre en surface, vous n'avez pas d'évaporation de l'azote de vos engrais, parce que l'azote, ça s'évapore quand ça reste en surface. Alors, 100% de votre engrais est efficace et donné directement aux racines, que ce soit granulaire ou liquide. Et voilà, c'est aussi simple que ça, faire la fertilisation avec Logisol O. Alors maintenant, nous allons voir comment installer Logisol au jardin. Au jardin, bon, Logisol est utile pour les plants de tomates, les plants de cocombes, tout ce qui est plant, les plants de piment, brocolis, etc. Alors, on a un exemple ici de plants de tomates fraîchement plantées. C'est à peu près la distance qu'il y a dans un jardin. Alors, Logisol, il s'agit simplement d'installer un contenant, le contenant dans le centre des deux plants, comme vous voyez. Alors, lui, ce Logisol va servir à irriguer ces deux plantes-là durant tout l'été. Il va même vous servir à faire de la fertilisation. On va voir ça dans d'autres capsules. Alors, vous l'installez au niveau du sol toujours. Vous mettez le couvercle par-dessus. Vous pouvez, soit, si vous n'avez pas de paillis dans le jardin, rapprocher. Au fait, vous pouvez utiliser un couvercle de pot de yogourt par-dessus pour, en attendant que vous rapprochez la terre ou le paillis, ça vous évite de jeter du paillis dans le contenant. Okay? Alors, vous pouvez simplement mettre de la terre comme ça si vous n'utilisez pas de paillis. Par contre, idéalement, c'est toujours mieux aussi dans un jardin d'utiliser un paillis, mais pas n'importe quel. Vous pouvez utiliser, l'idéal, c'est d'utiliser de l'herbe coupée. Alors, vous tondez la pelouse, vous installez ça tout autour de vos plants aussi. Vous allez voir que ça va donner des résultats, ça va les nourrir, contrôler la mauvaise herbe, tout ça. Et puis, votre Logisol, à ce moment-là, va être visible de cette manière. Et puis, vous allez pouvoir arroser directement. Vous pourriez utiliser aussi du paillis de feuille. Okay, la même chose. Le paillis de feuille est très bon aussi pour dans les jardins potagers, surtout dans les allées, là. Alors, toujours vous installez ça autour du Logisol, dans votre jardin partout. Et puis, tout ce que vous allez avoir à faire, ça va être d'arroser directement dans le pot. Ici, vous voyez l'installation près d'une talle de cocombe. Alors, on installe le Logisol à peu près à 6 pouces de plant de cocombe qu'on vient de planter. Ça fait le cocombe, les melons, les courges, les citrouilles, tous les cucurbitacées. Alors, un Logisol par talle de cocombe. Et avec paillis ou simplement la terre, comme vous voulez, ça dépend de vous. Mais idéalement, avec un paillis, ça va être encore meilleur. Et puis, simplement verser l'eau et tout l'été, votre cocombe va profiter de l'eau directement au niveau de ses racines, sans jamais avoir d'évaporation. Alors, et voilà! C'est l'installation au niveau du jardin. Logisol au niveau du jardin, aussi simple que ça, et vous allez avoir des légumes super comme jamais vous avez eu. Pourquoi? Parce qu'arroser dans le sol, directement en racine, plutôt qu'en surface, c'est le jour puis la nuit au niveau des résultats. Tout simplement. Alors, c'est la capsule « Mauvaises herbes, limaces et moisissures ». Logisol O, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Bien, Logisol O, entre autres, vous permet d'avoir moins de désherbage, moins de limaces, moins de moisissures sur le feuillage. Pourquoi? Parce que vous ne mouillez plus les surfaces. Alors, si on regarde, quand vous faites votre arrosage avec Logisol O, vous ne mettez de l'eau que là. Alors, jamais vous mouillez le terrain autour. Alors, comment voulez-vous que les limaces viennent si le terrain reste sèche, sec? Excusez. Alors, pas de limaces,
beaucoup moins de mauvaises herbes, parce qu'à chaque fois que vous arrosez en surface, vous encouragez les semences à germer, les semences de mauvaises herbes, alors qu'en arrosant avec LogiSol eau, la surface reste sèche, les graines ne germent pas. Vous sauvez beaucoup d'ouvrages au niveau du désherbage. Les moisissures sur le feuillage aussi, hein? Les moisissures qui se développent sur le feuillage parce qu'on crée souvent trop d'humidité en humectant la surface. Et comme on n'arrose pas à la bonne place, on est obligé de recommencer à chaque jour. Et à chaque jour, l'humidité en surface, les plantes finissent par à vivre des problèmes à cause de ça. Alors, c'est aussi simple que ça. Avec LogiSol eau, vous avez moins de désherbage, moins de risque de limaces et moins de maladies de feuillage. Fait qu'entretenir la capillarité, prévenir la perte d'eau qui provient de la capillarité, c'est hyper important. Alors, comment l'entretenir, cette capillarité-là, si quand même elle s'affaiblit, parce qu'avec le besoin des plantes, puis la chaleur, puis à force de ne pas en recevoir d'en haut, c'est évident qu'à quelque part, la terre s'assèche, et plus elle s'assèche, moins la capillarité peut se rendre. Moins la capillarité peut se rendre jusqu'aux racines. Okay? Fait que là, il y a un ralenti qui fait que là, votre plante tombe en souffrance. Puis si vous arrosez là, ça ne donne rien. Ce n'est pas là qu'il y a le problème, c'est ici, okay? En dessous de la terre. Alors, comment qu'on peut remédier à ça? Bien, moi, j'ai créé un dispositif. C'est le seul dispositif d'arrosage qui remet en marche la capillarité du sol avec une infime quantité d'eau. Okay? Ça s'appelle LogiSol eau. Moi, en comprenant cette logique-là d'arrosage, j'ai dit, c'est cette source-là faut que j'améliore. En haut, ça ne me donne rien. Je vais perdre mon temps à arroser. Je vais gaspiller de l'eau. Jamais mes barils d'eau de pluie vont fournir pour quand j'arrose la surface. Ça ne pénètre pas. Il n'y a pas de racines qui sont là. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je me donnerais tant de troubles pour supposément arroser puis m'en aller dans la maison en disant « mission accomplie, j'ai arrosé ». Mais finalement, la plante est encore en train de souffrir parce qu'elle n'a pas d'eau ici. Là. Okay? Fait que le lendemain, elle vous en demande encore, c'est sûr, elle n'a pas eu sa source. Puis on recommence à en mettre là. Ça ne marche pas, ça. Alors moi, j'ai créé un dispositif comme ça, très simple. Très éco-responsable d'ailleurs, que vous pouvez fabriquer en partie. Là, le morceau du bois, vous pouvez le faire vous-même avec des pots de yogourt. Et le couvercle grillagé, il a été conçu pour aller chercher plein d'avantages comme, au niveau de l'esthétisme, au niveau de la sécurité, parce que si vous mettez le pied dessus, vous ne vous casserez pas une cheville dans un pot qui est ouvert. La durabilité, parce qu'il est en plastique traité UV. Et les rebords aussi pour quand on arrose, on n'a pas besoin de se pencher pour arroser avec pas de bec au bout de l'arrosoir. Direct là-dedans, ça rentre à plein. Et le rebord extérieur, c'est pour retenir le paillis dans vos plates-bandes. Okay? Alors, ça s'installe un peu comme ça. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de l'herbe ici. Ça peut être un paillis à place. Et puis, alors on verse de l'eau. Pas besoin de bec non plus. Là, le dessin, il y en a un, mais il n'y a pas besoin. Alors, on verse l'eau dans le pot qui est perforé dans le bas. Et l'eau, à ce moment-là, va sortir pour irriguer là où sont les racines. Pas besoin d'irriguer en haut, ce n'est pas là qu'il en a besoin, c'est ici en bas. Alors, 100% de l'eau que vous avez mis, s'en va à la bonne place. Okay? Ensuite de ça, OK, une autre image ici. Bon, ensuite de ça, c'est qu'en mouillant cette zone-là, ça vous permet de repartir la capillarité du sol. La fameuse capillarité qui avait été ralentie, là. OK? Désolé, j'ai été distrait, là, mon fils vient de rentrer, puis je ne savais pas qu'il s'en venait. c'est ça qui est important, c'est que là, en humectant cette zone-là, vous venez de repartir la capillarité. Okay? En mouillant ça, cette zone-là, c'est là qu'il y avait une faiblesse. C'est là que la mèche n'arrivait plus à faire monter l'eau. Fait que vous remouillez la mèche pour qu'à nouveau, la capillarité reprenne son rôle pour les jours qui suivent. Fait que vous n'êtes pas obligé de remplir le pot à tous les jours. Vous remplissez une fois, maximum deux, l'eau sort, s'en va irriguer la zone souterraine, le pot se vide complètement en 30 secondes ou 2 minutes, 30 minutes, ça dépend de la porosité de votre terre. Il ne restera pas de l'eau là-dedans longtemps et ce n'est pas voulu pour qu'il en reste longtemps non plus. Le but, c'est de l'envoyer à bonne place pour repartir la mèche d'eau souterraine. Et c'est l'eau souterraine qui va continuer à abreuver les plantes pour les jours qui suivent, ça va? Alors, OK, ça, on a vu ça, c'est beau. Alors, hop là. Alors, donc, avec un système comme ça, vous avez 100% de l'eau que vous allez utiliser est sous la terre. Vous n'avez aucun gaspillage par évaporation. D'accord? Il n'y a pas d'humidité en surface, donc il n'y en a pas d'évaporation. Vous allez avoir à ce moment-là aussi moins de mauvaises herbes, parce qu'à chaque fois que vous mouillez en surface, puis vous êtes obligé de répéter à chaque jour, à un moment donné, à votre eau, à vos graines qu'il y a dans votre paillis ou sur votre terre, c'est bien évident qu'ils vont se mettre à germer. Si vous ne voulez pas trop désherber, arrêtez d'arroser la surface. Vous allez avoir moins de moisissures, moins de limaces aussi, parce que les limaces, ils aiment ramper sur un terrain qui est humide. Si votre terrain reste sec,
Votre paillis reste sec, les limaces ne viendront pas ramper là. 80 % d'économie d'eau et plus, même ça va jusqu'à 100 % d'économie d'eau, dans le sens que vous pourriez ne travailler qu'avec des barils d'eau de pluie, vu que ça n'en prend plus beaucoup. Vous savez, un baril d'eau de pluie, là, les grandeurs de barils d'eau de pluie habituels, 200 litres, vous êtes capable de remplir 200 dispositifs, comme vous avez vu tantôt. 200 dispositifs. Alors, si vous avez 30 à 50 dispositifs dans votre terrain, mettons 50 dispositifs pour arroser partout, bien ça veut dire que votre baril d'eau va être capable de les remplir 4 fois, et ce, à tous les 2-3 jours d'intervalle de sécheresse, pas à tous les jours. OK? Fait que 2 à 3 jours, 3 jours fois 4 fois, ça veut dire que ça, vous avez toffé avec un seul baril d'eau de plus, vous avez arrosé votre cour pendant 12 jours de temps de sécheresse, sans avoir besoin d'eau trop que ça. C'est aussi simple que ça. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup d'eau, mes plantes vont en manquer. N'oubliez pas une chose, c'est fait pour repartir la capillarité du sous-sol. Alors l'eau que vous avez mise, là, c'est pas elle qui compte juste là-dessus, la plante. C'est parce que là, vous avez reparti la capillarité qui, elle, abreuve vos plantes. Tu sais, c'est un peu comme quand vous allez allumer le poêle à bois, si vous en avez un. Le poêle à bois, là, vous l'allumez avec une allumette, mais est-ce que vous comptez sur la chaleur de l'allumette pour chauffer la maison? Ou si c'est juste pour initier le feu qui va chauffer la maison? Bien, c'est pareil. Logisol O, ça initie la capillarité pour que la capillarité fasse son travail pour les jours qui suivent. Ça va? Vous allez arroser beaucoup moins fréquemment à ce moment-là. Vous êtes capable même de faire autant vos fertilisations granulaires et liquides. C'est simplifié au maximum. Vous voyez ici, je peux vous le montrer. Là. Alors, on fait simplement les granules, on les jette dans le trou ici, ça tombe dans le bas du pot. Et à chaque fois que vous allez arroser, il y a un petit peu d'engrais qui va se dissoudre directement au système racinal de vos plantes. Et comme il se vide complètement, l'engrais va sécher et va attendre votre prochain arrosage. D'accord? Ça va pour ça, OK. Ça va vous prendre beaucoup moins de temps. C'est pas long à remplir des godets comme ça. Là. Croissance incomparable aussi de vos végétaux. Pourquoi? Parce que là, vous avez favorisé la source par laquelle ils sont habitués de boire, puis qui est plus régulière que des arrosages par le dessus, où est-ce que c'est bien inondé, après ça, ça devient sec, bien inondé, bien sec, ou ça reste trop humide en surface parce que vous arrosez trop souvent, puis là, ben, vous vivez des problèmes de moisissure puis de maladies. OK? Coût d'acquisition accessible à tous, d'ailleurs. C'est un produit qui est fait au Québec, éco-responsable. Il coûte vraiment pas cher et, comme je vous le disais, vous êtes capable de faire le premier morceau avec des pots usagés. Ça fait que ça vous revient encore meilleur marché. Donc, je vous invite à l'essayer. L'installation, vous voyez, c'est très simple. On enlève le paillis si vous en aviez déjà. Vous allez faire un trou avec ce que vous voudrez pour faire le trou, pour installer le pot. Mais vous pouvez mettre un couvercle sur le pot, le couvercle de yogourt, pour le fermer le temps que vous l'installez pour pas qu'il tombe de terre dedans, le temps de remplir le pourtour. Là. Okay? Vous enlevez le couvercle, là, vous mettez le couvercle logisol. Vous pouvez remettre le couvercle de pot de yogourt par-dessus le logisol pour remplir de paillis. Et voilà, ça, la job est finie. Okay? Votre bidule est installée, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et il vous reste 5 à vider de l'eau là-dedans, puis bingo, vous allez irriguer le dessous du sol, là où est le système racinaire du plan de bleuet. Ici, il y a de la roche dedans, le grillage. On peut en mettre, mais ce n'est pas nécessaire. Mais vous voyez comment ça devient très discret dans un aménagement lorsque vous mettez ça, si vous voulez. Ça rend encore plus discret le dispositif et ça ne vous empêche pas de vider de l'eau dedans pareil. Alors, on le voit ici avec entre les tomates, avec un plant de basilic là, avec un paillis d'herbe aussi. Donc, le paillis d'herbe ne tombe pas dans le trou. Pourquoi? Parce qu'il y a le rebord, comme je vous montrais tantôt, qui retient. Ici, on a des aubergines. Alors, un dispositif irrigue 2 plants d'aubergines. Ici, on a des piments. On a 1, 2 dispositifs. Ça irrigue 1, 2, 3, 4, 5 plants. OK? 5 plants de piments qui sont irrigués avec 2 dispositifs. Ça dépend vraiment de la disposition. Ici, vous avez 2 rangées de brocolis. Alors, les dispositifs sont entre les 4 plants. Ça fait que ça irrigue, encore une fois, ça irrigue à peu près 2 plants par dispositif. 2 à 3 plants par dispositif. Les tales de cocombe, c'est très exigeant en eau. Alors, dispositif logisol là, les courges, la même affaire. Ça s'installe partout dans le jardin puis dans les aménagements paysagers. Bon, et ça se fait avec l'eau de pluie. Hein? Ça devient encore plus rentable, comme je vous disais tantôt, parce que le logisol eau ne prend pas beaucoup d'eau. Le problème avec les systèmes d'arrosage sur le marché, c'est qu'ils consomment énormément d'eau puis ils ne la mettent pas à bonne place. Ils la mettent en surface. Fait que l'énormité de gaspillage d'eau, là, c'est incroyable tout ce qu'on envoie en évaporation dans le ciel par nos arrosages en surface
de nos jardins et nos aménagements. Okay? La pelouse, tu n'as pas le choix de la mouiller en surface, c'est là que sont les racines. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des systèmes d'arrosage ont été conçus pour arroser les pelouses. Parce que ça a toujours été un problème, la fameuse pelouse qui vient d'Angleterre, là. Elle veut juste se retourner là. Pour la garder belle, on est obligé d'y donner de l'eau constamment. Alors, les systèmes d'arrosage avaient été faits pour irriguer les pelouses. Mais essayez pas d'irriguer un jardin avec ça ou avec un jardin ou des aménagements paysagers. Ça prend, c'est de l'eau en profondeur que ça prend pour eux. Okay. Alors, où est-ce que vous pouvez prioriser ça? Bien, agriculture urbaine, dans les gros bacs, tout ça. Les jardins potagers, tous les jardins potagers, les aménagements qui sont en pente aussi, vous allez aller chercher un double avantage parce que là, même quand vous arrosez en surface, l'eau ruisselle vers le bas tout le temps. Ça emporte votre paillis, ça fait descendre la terre, vous n'avez pas de paillis. Alors que là, avec ça, vous n'aurez plus ce trouble-là. Près des solages de maison, parce que pour ce que je vous ai expliqué tantôt, sous les arbres, pour ce que je vous ai expliqué tantôt, lors de la plantation des végétaux, à ce moment-là, vous pouvez mettre votre dispositif tout de suite à côté de la motte de racines pour que quand vous versez l'eau, que ça s'imbibe dans la motte de racines. Ça n'a rien de mettre ça plus loin parce qu'il n'y a pas de racines plus loin pour l'instant. Alors, si vous voulez favoriser votre plante, vous mettez votre dispositif juste à côté. Moi, quand je plante mes plantes tomates, c'est tout de suite juste à côté que je mets ça. Attendez un petit peu, là, j'ai... OK. C'est parce que je vérifiais, il y avait quoi qui me flashait dans l'écran, là. OK. Bon. Ça, c'est dans les gros bacs de culture des villes, finalement partout, sauf pour la pelouse. Okay?